Bienvenue sur Digital News. OpenAI prévoit GPT-5 pour fin 2025 ou début 2026. Une IA de niveau doctorat pour des solutions encore plus précises. L'évolution rapide de l'IA est hallucinante. On va entrer dans une ère où les machines penseront comme nous. Sutskever, un ancien d'OpenAI, crée Safe Super Intelligence, ciblant une IA ultra sécurisée avec ses confrères Daniel Gross et Daniel Levy. Prioriser la sécurité dans l'IA est crucial, espérons qu'elle permettra d'éviter les scénarios dystopiques. Musk était à Cannes pour discuter technologie, IA, humanoïdes, robots et liberté d'expression. Préparez-vous à découvrir ces idées révolutionnaires. Musk est et reste toujours captivant. Sa vision promet encore de nous bouleverser. Du côté de chez Meta, Meta ouvre l'API de Threads, son réseau social, identique un peu à Twitter, offrant de nouvelles opportunités pour les développeurs et partenaires comme Hootsuite. Les Ghostbots, ces avatars des défunts en intelligence artificielle, posent d'importantes questions éthiques et psychologiques sur le deuil. C'est une technologie fascinante mais troublante. La réglementation s'impose pour protéger la dignité des défunts. On retrouve de nouveau Musk, et selon Musk, Neuralink remplacera les smartphones par des interfaces cérébrales directes. Une communication plus efficiente à venir. Si Musk voit juste, la révolution de la communication est imminente. C'est absolument fascinant. Toujours Musk, et on parle beaucoup de lui, prévoit 1000 robots Optimus dans ses usines Tesla dès 2025, visant à réduire les coûts et augmenter la valorisation. Je pense que l'automatisation industrielle avec Optimus pourrait marquer cette décennie et peut-être montrer l'exemple à d'autres sociétés. Je trouve ça très palpitant. L'université de Tokyo, elle, crée une peau humaine pour robots réalistes, mais peut-être effrayants sur des visages humanoïdes. L'humanisation des robots pose des défis éthiques, mais pourrait, je pense, révolutionner la chirurgie reconstructive. Je pense notamment au grand brûlé. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale. Et si j'y arrive, je vais vous montrer. Actuellement, voilà, et vous faire profiter de la vue. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous de très belles vacances.